Egunon, bonjour. Comme directeur du Bureau de Québec en péninsule ibérique, c'est un plaisir pour moi de pouvoir participer à ces rencontres organisées par le gouvernement basque. Una quincena de participantes del sector de la cultura, de las artes, de Quebec han venido aquí a Euskadi para conocer, pero sobre todo para establecer vínculos que permitan la co-creación en el futuro de varias obras y de varios aspectos relacionados con la promoción cultural. Dakizuenez, 2020 urtean Quebeci begira jarriko gara, Euskal Kultura ara eraman nahi dugu, eta horretarako aurten aurreko lan bat eta egiten ari gara. Aitzindaria da, zeren eta bi gobernuek batera lan egin dugu, eta Eusko Jaurlaritzaren izenean Etxepare Institutoa. Kasu honetan, kanpo harremanetarako protagonistak, sortzaileak dira, sektoreak dira, kultura eragileak dira, kulturguneak, eta benetan kultura sortzen duten horiek. Bueno, nik uste dut horrelako trukaketak, horrelako elkar ezagutzeak artean eta beste kulturarlo guztietan, bueno, ikasketak dakazkiela berarekin, ez? Bestea ezagutzearekin batera zer horri aberastentzea eta bestea ere aberasten duzu, ez? Eta beraz, seguru nago gure artistek bertan izango dutela eragin hori ere bertako artistengan, ez? Donc oui, ben on est arrivé avant-hier, donc toute la journée hier à Vitoria, c'était très intéressant, notamment parce que j'ai rencontré le réalisateur Fermín Mugruza. Donc on a eu plusieurs beaux échanges, étant donné qu'il a une pratique très multidisciplinaire. Aujourd'hui, c'est super intéressant d'être ici à Tabacalera. J'ai rencontré Victor qui travaille pour Tabacalera, mais aussi sur le comité de sélection du Festival de San Sebastián. Et il me semble qu'il travaille aussi pour l'école. Donc le projet ici que bon, j'apprends à découvrir parce que je le connaissais de loin, je pourrais passer la journée à Tabacalera, je crois, ce serait intéressant. Franchement, une expérience extraordinaire pour nous de plonger vraiment dans la culture basque. Bon, la gastronomie basque aussi là, nous accueille très bien, mais il y a des rencontres ici formidables déjà jusqu'à maintenant, des lieux très inspirants. Puis c'est fascinant de voir les liens potentiels qu'on pourra assurément créer entre le Pays basque et le Québec.